la France. On va quand même officier Pierre Gosselin. Deux concours Coupe du Monde, deux fois dans la cure. 12e à Lyon. Oui. Et là, elle s'est encore qualifiée hier en prenant la 15e place avec Caramel de Lauture. Son étalon de 13 ans, fils de Gribaldi. 64,149% hier. Avec la musique de Moulin Rouge. De jamais. On aimerait avoir le but devant un tout petit peu plus ouvert, ce serait parfait. Mais c'est mieux que le cheval précédent. Le cheval se tient mieux qu'à lui, on est plus brillant, et un meilleur port de tête. Jeune cavalière, hein, donc c'est. C'est très bien, son niveau. C'est bien de voir de nouveaux cavaliers. 26 ans seulement pour Claire. Ça, c'est pas parfait par contre. Un peu la difficulté, elle a très bien trotté, elle a eu du mal à le remettre un peu en place et du coup, le premier piaffé, le cheval n'a pas voulu se caler sur son arrière-main et s'est fait un peu avoir. Un petit peu ce même défaut, un petit poil enfermé le cheval. On aimerait qu'il tire un petit peu plus. Toute la difficulté de rassembler, d'étirer, d'amplitude, il y a tellement de composantes à mettre en place. C'est ça, là elle a fait un peu plus attention, elle s'est mis plus rapidement en latitude pour aller piaffer. C'est pas parfait non plus, mais c'est un petit peu mieux que tout à l'heure et c'est un peu la difficulté. On étend le cheval, on le raccourcit. C'est toute une gymnastique, il faut que le caractère suive aussi. Et qu'en faisant des reprises qu'on y arrive. Là, au moins, elle est venue, elle a fait le Grand Prix, elle a fait la cure, donc là, elle travaille, elle a sa cavalière d'avenir, et c'est tant mieux. Il faut quand même monter dans des salles comme ça, avec le monde qu'il y a, les cavaliers, les juges, enfin, je veux dire, c'est pas si simple. Il a une meilleure attitude qu'à Lyon, je le trouve plus aérien, la nuque pointe plus haut. Peut-être comme c'est sa deuxième expérience. Voilà, c'est l'expérience. Maintenant, elle décontracte, elle investit peut-être un peu plus son cheval. Et... puis ça donne envie de monter dans des concours comme cela. À ça, le haut niveau, ça a un parfum bien à part. Puis on a envie de bien faire, donc on monte de toute manière mieux à l'étranger avec les meilleurs cavaliers du monde. Ça nous tire vers le haut et ça, il faut toujours la confrontation, elle est bonne dans ce sens-là. C'était pas mal aussi. Hein. Ouais. Oups, attention. À Lyon, elle avait obtenu 66,325. On verra effectivement l'impression de progrès dégagé se vérifie dans les notes. Là, le problème, c'est qu'elle a perdu beaucoup de points sur le piaffé, ses coefficients dans la cure, et ça, c'était dès le départ. Donc, ça ne met pas non plus les juges un bon état attaqués avec des grandes difficultés de la reprise. Au début de la reprise et en se ratant, ça déclenche pas les grandes notes. C'est-à-dire qu'après, quand on hésite entre un 7 et un 8, on va mettre un 7 plutôt que... À le début, ça donne pas envie. Maintenant, c'est peut-être ponctuel à la reprise d'aujourd'hui. Peut-être que ça se passe mieux, je ne connais pas assez le cheval. Mais sans ça, je pense que ces figures-là, il faut les caser un peu plus loin quand le cheval s'est stabilisé. Malheureusement, il faut qu'il fasse du dressage, qu'il fasse du sport. Et en plus, ce qui compte, parce qu'à la fin, c'est quand même la note qui est la sanction. C'est ça. Thank you.
Non, c'est une bonne reprise. Il n'y a pas de grosse faute. Il y a malheureusement que ce pied fait et tout le reste, elle se passe bien. Je sens que c'est propre, quoi. Voilà, ouais. Que c'est, Elle doit se dire dans la tête, faut que je repasse mes pieds à feu, faut que je reprenne des points. Ça ne doit pas être simple. Maintenant, là, elle vient du passage vers le pied à feu au lieu de faire le 3 allongé avant, donc ça va peut-être l'aider. Doucement, doucement, doucement. Non, dommage, elle ne leur fait pas assez. Elle tente pas. Non, c'est dommage. Voilà, ça est terminé pour Claire Gosselin et Caramel de Lauture, son étalon français de 13 ans. Puisque vous êtes quelques-uns, notamment Alexandre, à nous demander les âges et les origines des chevaux. C'est agréable d'avoir une cavalière française jeune à ce niveau-là, fraîche. Oui, parce que pour l'instant, la France n'est pas qualifiée par équipe pour les Jeux Olympiques, contrairement au concours complet et au saut d'obstacles. Pas encore. Il y a encore un petit espoir d'aller chercher peut-être un billet en Asie. C'est déjà un espoir de voir Claire faire Lyon, faire Londres. J'espère qu'elle va pouvoir être invitée sur d'autres concours, parce qu'il y a une progression et elle est dans une mouvance. Et c'est important d'y rester. Quoi. Je veux dire, après, il ne faut pas qu'elle quitte la compétition. Le circuit. Oui. Puis elle peut se caler par rapport aux autres, voir les autres, discuter, se faire connaître, parce qu'il y a une partie de lobbying à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est important de faire partie entre parenthèses, de la caravane mondiale du dressage, 68 775. Donc elle progresse de plus de 2 points, 2,5 points pratiquement.